Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un rétro-test de Castlevania 3. Je vous fais pas le Castlevania 2 parce que j'ai l'impression qu'il bug. Les niveaux sont assez étranges. Surtout qu'il y a des bugs, je passe au travers des murs et tout, donc c'est assez étrange. Donc oui, Castlevania 3, ça a été édité par Konami, comme d'habitude, en 1990, celui-là. Donc 3 ans après, le premier des premiers des premiers des premiers Castlevania. Une petite cutscene avec le héros Simon Belmont, comme d'habitude, armé de son fouet légendaire, le fouet des Belmont, pour fouetter la face de Dracula. Et une autre partie, mais j'en dirai pas plus. Comme vous voyez, l'animation est un peu mieux. L'animation de Simon Belmont par rapport au premier opus. Et comme d'habitude, il y a aussi une musique énormissime que vous pouvez entendre en fond. La musique Beginning, l'un des grands hits qui a été repris à plusieurs reprises dans plusieurs Castlevania, qui a été remixé. Comme vous voyez, je vous ai pas expliqué dans le premier Castlevania, mais au niveau des escaliers, c'est assez étrange. On passe au travers si on fait rien, donc on est obligé de faire vers le haut, enfin même dans ce Castlevania là, on peut pas. Et on est obligé d'être tout en bas de l'escalier, de faire vers le haut pour monter. Donc c'est assez étrange. Bon sinon, le maniement est toujours aussi rigide. Enfin bon, je dis que c'est rigide, mais on le manie quand même assez bien, le Belmont. Même si les sauts sont très rigides. Encore une fois. Ça fait beaucoup de rigide. Comme vous voyez, la première fois que j'ai vu cet arrière-plan, franchement, j'ai trouvé ça magnifique sur une NES, faire ça. Voir des vitrails là derrière, c'est incroyable le nombre de couleurs qu'il y a. Voir ça sur une NES, c'est incroyable. Franchement, ce jeu m'a aussi bluffé que Tic et Tac sur la NES, car au niveau technique, vous voyez quand même qu'il est plus beau et plus fin que le premier Castlevania. Déjà que le premier Castlevania était quand même assez beau. Moi aussi, il faudrait que je vous montre qu'on peut contrôler un autre personnage. C'est ça la particularité dans ce nouveau Castlevania. On peut contrôler un nouveau personnage qui a d'autres aptitudes, bien sûr. On appelle toujours les chandeliers pour avoir des bonus. Soit des points, soit des cœurs. Les méduses sont un peu mieux faites aussi. Des ennemis est un peu mieux par rapport au premier Castlevania, même si c'est les mêmes ennemis en fait, ils ont pas changé. Il y a juste les boss, heureusement en même temps. Ah, et aussi dans ce Castlevania, la première fois que je l'ai fait, j'avais cru que quand on rencontrait pour la première fois le personnage qu'on va contrôler après, j'avais cru que c'était Dracula. En fait, pas du tout, parce qu'il avait les mêmes attaques que Dracula presque. Enfin même c'était les mêmes attaques. Et sa skin avait changé, parce que en même temps la skin du premier Dracula là dans Castlevania 1 est un peu ridicule. On dirait que Dracula était allé au carnaval et qu'il s'est mis un masque. Il a un masque de carnaval. C'est assez bizarre. Il a une forme assez bizarre dans Castlevania 1 Dracula. Enfin une tête plutôt bizarre. Je déteste ses ennemis. Ennemis qui ressemblent un peu à Fireflav, car Fireflav est un peu bossu. Oh. Maintenant il nous balance 3 boules de feu, plus 2, c'est 3 boules de feu cela. C'est parce qu'on est dans le Castlevania 3. Bon, c'est une blague un peu à 2 balles. Bon là comme vous voyez, il y a des momies, y a des chauves-souris comme d'habitude. Enfin, des momies, c'est nous, ça va être. Ok, ou c'est peut-être des zombies. Mais en fait, je sais pas. Non, ça ressemble plus à des momies, en fait.
Et là on est dans un cimetière, ça fait peur. Le premier boss qui ressemble un peu à rien. Merde. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Il est peut-être vexé et il m'a tué. Comme d'habitude, les upgrades du fouet, c'est pareil. Au bout de la première chandelle, on a le la première upgrade. Et au bout de 6 chandelles, ou 5 ou 6, peut-être plus, je sais plus, et bah, on a la deuxième upgrade que je viens d'avoir. Pour que le fouet s'allonge, tout simplement. Bon, la musique des boss n'est franchement pas terrible. Par contre, c'est une déception, on va dire. Elle était mieux dans le premier Castlevania. Ah, et on entend une petite voix digitalisée, même si ça n'existait pas trop les voix digitalisées sur 8 bits, ça se voyait. Heureusement qu'ils en avaient pas fait beaucoup, parce que la qualité est horrible. Et je vais vous faire écouter le thème de la victoire. Un autre thème. Et oui, un nouveau thème dans ce Castlevania 3, qui est franchement pas mal. Et là on voit la carte du monde, on va dire. Et la particularité aussi dans ce Castlevania, car il y a beaucoup de nouveautés quand même, c'est que là on peut choisir un autre embranchement. On peut aller dans le niveau du haut, c'est-à-dire le niveau de l'horloge, j'ai l'impression, ou le niveau du bas, qui est un niveau beaucoup moins joli, je trouve, le niveau de la forêt. Mais moi je vais aller vers le haut, car je vais vous montrer le plus gros du jeu, tout simplement. On va voir carrément un niveau magnifique. Vous voyez tous les détails. Vous voyez tout ce qui est en mouvement, c'est incroyable. Surtout sur une NES. Franchement, je sais pas comment ils ont fait. Plein de trucs en mouvement dans ce niveau. Franchement là, ça utilise toute la puissance de la NES. Ça, c'est obligé. Avec une musique monumentale, encore une fois. Mais qui n'a pas été reprise dans les autres Castlevania. Beaucoup d'escaliers dans ce niveau, c'est pour ça que c'est dur. Et oui, les Belmont ont du mal à monter les escaliers. À croire que quand ils étaient petits, dans leur maison, il n'y avait pas d'escaliers. Là, on va peut-être voir plein de trucs en mouvement. Ah, un espèce de mode 7, on va dire. Enfin, c'est un peu... ça fait un peu distorsion. Comment la pendule balance, c'est assez bien fait. Surtout pour de la NES, encore une fois. Je pense que c'est incroyable. Ce jeu, franchement, je pense que je vais mettre au maximum au niveau de la note des graphismes. Parce que pour une NES, oh là, mais regardez-moi ça. Il y a tout en mouvement, là. Tout qui est à l'écran, c'est en mouvement. Et ça ne rame pas, en plus. C'est ça qui est incroyable. Car la NES ne peut pas, franchement, s'il y a déjà 6 trucs en mouvement, la NES rame à fond. Alors là, il y a partout, tout est en mouvement et ça rame pas. Je sais pas comment ils ont fait Konami, mais ils ont vraiment géré. Ils savaient vraiment parfaitement optimiser la puissance de la console. Bon, je viens de couper et je me suis fait toucher par un ennemi à 2 balles, mais c'est pas grave. Bon, je préfère couper comme ça, même la vidéo, parce que la vidéo, pourtant, je peux faire n'importe quel temps. Enfin, faut pas non plus exagérer, parce qu'au bout d'un moment, ça va être super lourd. Mais bon, je peux faire une vidéo d'une heure tranquille, ou 3 heures, enfin, je vais pas faire 3 heures non plus, je suis pas un fou. Et déjà qu'une heure, c'est déjà assez.
Et je coupe en même temps que le son, parce que sinon après je suis obligé de tout redécaler sur Movie Maker et ça me saoule. Oula. Je préfère donc couper la vidéo en même temps. Comme ça, le son sera... sera tout simplement en même temps, le son de ma voix sera exactement en même temps que les choses, ce qui se passe à l'écran. Car par exemple, le vidéo test, enfin le rétro test que j'ai fait de Street Fighter 2 Turbo, c'était un peu décalé, ma voix était un peu décalée et ça se voyait un peu. Bon, je me suis dit la flemme de recommencer. Parce que la vidéo, j'avais déjà... elle était déjà faite. Attention méduse. Attention méduse. Et je me suis fait toucher. C'est la classe à la Oliver Plasma. Bon, je pense que je vais peut-être vous couper la vidéo et vous montrer... j'irai un peu plus loin dans le jeu pour vous montrer le second personnage qu'il y a dans ce Castlevania. Qui est Alucard. Dracula à l'envers, hein, si vous n'avez pas remarqué. Qui est le fils de Dracula. Que si ça se trouve il est pas bien loin, je sais plus. Bon, vous savez quoi, on va continuer quand même. Si j'ai un game over, je préfère... faut que je suis pas loin du game over là. On a jamais vu ce boss là. Enfin, en même temps j'étais jamais allé... Merde. J'avais jamais terminé ce niveau là. Car j'avais fait l'autre embranchement. Merde. Donc pour moi c'est une découverte. Et là je préfère vous vous montrer le second personnage. Et donc couper la vidéo en deux parties. Donc je vous retrouve de suite après. Bon, au lieu de vous montrer Alucard, j'ai un peu la flemme, donc je vais plutôt vous montrer l'autre embranchement. Même si j'ai passé le premier niveau de l'autre embranchement. Avec des grenouilles. Car on est dans des marécages. Enfin, dans un marécage. Avec une musique qui nous met dans l'ambiance, même si c'est une musique quand même moyenne. On peut pas avoir que des bons thèmes. Enfin, je dis ça, mais dans Castlevania 4, il y avait presque que des bons thèmes. Ou aussi dans Dracula X. Qui explose tout à l'écran, la même chose que dans le premier. Là, on va combattre contre une chauve-souris qui est super chiante à battre à la fin de ce niveau. Donc, comme vous voyez, je me débrouille comme une merde. C'est surtout parce que ce Castlevania là est réputé comme le plus dur des Castlevania, le 3. Le 2, c'était en gros un Castlevania d'aventure, on va dire, c'est plus typé aventure. Parce que là c'est action RPG, action plateforme. Alors que l'autre c'était, ça faisait un peu RPG, c'était de l'aventure et on était au début dans un village avec des PNJ. Même si on était un peu paumé parce que c'était assez mal foutu en fait. Et surtout que moi je sais pas pourquoi ça bug. Peut-être parce que je suis sur émulateur.
car si je l'avais eu sur NES, ça se trouve, il buggerait pas. Mais bon, c'est le seul jeu qui bug sur mon émulateur, parce que tous les autres marchent. Car je vais vous faire aussi un rétro-test d'un jeu, c'est une surprise. Normalement, vous le voyez dans le générique des rétro-tests, ce jeu-là. C'est un jeu Disney. Et oui, hein, on adore les jeux de Disney, hein, avec Firefly. Non, mais ça va être un bon jeu, un bon petit jeu sur NES. Que je vous en ai même trop dit, hein, j'aurais pas dû dire que c'était un jeu... Que c'était un jeu de Disney. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va dans le prochain niveau. Là, on n'a pas eu le choix, par contre. On va dès le départ dans le prochain niveau. Ah! Ah bah en fait, avec un peu de chance, je vais peut-être vous montrer en fait Alucard. J'ai eu la flemme, mais en fait, au moment où je fais la vidéo, j'arrive ce niveau, alors que j'avais perdu deux fois avant. Enfin, surtout peut-être parce que j'avais la croix. Attention, c'est une lunette de balle. Oh mais, c'est pas vrai, les flammes, elles restent... Ces ennemis-là, ils me font vraiment penser aux ennemis dans Tortue Ninja. Des ennemis de feu aussi. Bon, ils étaient un peu moins bien faits dans Tortue Ninja. Ça ressemblait un peu plus à du ketchup qui avançait. Mais bon. En même temps, je pense que le jeu était plus vieux et même en plus c'est Tortue Ninja quoi. Ça ne peut pas non plus être incroyable, époustouflant. Là, on est bientôt rendu à Alucard. Des petites larves vertes. Je vais avoir vraiment gaffe au pic, mais bon. En gros, pour pas sauter par ici. Sinon, bah, on s'empale dans les pics, tout simplement. Et on meurt du premier coup. Et ouais, c'est ça, dans les Castlevania, on se prend un petit pic, et puis voilà. On s'empale hein, les pics quelque part, et... Même si c'est seulement un pixel, un mini pixel de rien du tout. On touche le pic, on crève. Mais bon, c'est pas non plus. Konami ne sont pas non plus des salauds comme. Comme Infogrames, si vous avez vu les vidéos de Joueur du Grenier. Infogrames, c'est vraiment des salauds quand même. On vous fera en plus un rétro-test de. D'un jeu d'infogramme. Mais, pour cette fois, est un jeu assez bien. Même si c'est un jeu très moyen aussi. Oula, là j'étais au pixel près, ça c'est sûr et certain, je pouvais pas avancer encore une marche. Là faut aller dessus, faire gaffe à l'autre. Pas mal. On est bientôt au boss, enfin je crois. Franchement ces boules là, faut vraiment penser aux boules électroniques dans Mario Bros 2. C'était la même chose. Je pense que ça a été recopié là-dessus. Parce que Mario Bros 2 est plus vieux, je pense. Ah ouais, 1988, un truc du genre, hein, Mario Bros 2. Je vous ferai aussi un rétro-test de Mario Bros 2 car... Le rétro-test de Mario Bros 2 qu'on a fait, en gros c'était notre première vidéo, et était assez lamentable on va dire. On était vraiment pas rendu loin et on avait vraiment pas trop nous montré des niveaux. C'était pas trop un bon aperçu du jeu en fait. Là on va combattre contre eux, Dracula. Mais non, c'est Alucard. Bon, rassurez-vous, c'est pas un boss non plus incroyablement dur. Même si je me souviens plus du tout comment on le tue. Ah voilà. Ouais bah pas bien difficile ce boss, mais c'est vraiment un gros clin d'œil à Dracula. Et franchement il a une skin largement mieux faite que Dracula dans Castlevania 1. Il ressemblait vraiment à rien du tout. C'était ridicule. Il était allé au carnaval pour s'acheter un masque. Et le porter.
contre Simon Belmont pour se foutre de sa gueule. J'ai l'impression que je suis bien parti. Hein. Vous voyez le fond là par derrière, c'est pas mal. Ça fait vraiment penser à Dracula tout simplement. Et on peut vraiment croire que c'est Dracula qu'on combat, mais non, en fait c'est tout simplement son fils. Et voilà, vaincu. Bon, on peut se dire quand même, pour un boss final, c'est assez pourri. Hein. Donc on peut se dire quand même que c'est pas le boss final. Que c'était peut-être simplement un clone de Dracula. Et là, on va voir qui se cache réellement, même si je l'ai déjà, dit 1000 fois. Bon, je suis nul en anglais, donc je m'en fous. I need you to help me destroy Dracula. Et oui, parce que le fils de Dracula veut tuer son père. C'est très logique. Et là, on vient de se serrer les mains. On s'est associés. On est amis pour la vie. Et on va combattre Dracula. Voilà. Et on peut maintenant diriger Alucard. Qui a une skin pas mal avec sa cape. Et vous allez voir. Bon, déjà je tue ces trucs qui ressemblent à rien du tout. Les seuls ennemis qui sont assez pourris en fait au niveau de la skin. Donc je vais changer. Ah oui, en fait énormément de skins hein, différents. Enfin même dans le premier Castlevania, il y avait énormément de skins différents pour les ennemis. Voilà, on peut balancer tout simplement bah, des boules de feu qui ne sont plus trop des boules de feu en réalité. Là. Je peux en balancer deux parce que je l'ai upgradé une fois. Et si je upgrade une deuxième fois, eh bien, je suis tombé. Voilà, je tombe quand je l'upgrade une troisième fois. Non, je rigole. Non, c'est... tout simplement, bah, j'ai 3 boules de feu. Je veux comme une merde. Enfin bon, vous avez vu en gros comment est fait Alucard. Sa première apparition. Après on le verra dans Castlevania Symphony of the Night. Donc il y a une skin totalement différente. Bon, j'ai eu un petit problème mais c'est pas grave. Bon, c'est parce que... C'est parce qu'en fait je filme pas avec Fraps. C'est que je filme avec Bandicam et Bandicam vient de couper là automatiquement. Enfin même j'étais à 10 minutes sur l'enregistrement donc voilà. Et vous voyez que j'ai joué comme une merde. Et on se quitte pour ce magnifique jeu avec un magnifique game over en fond d'écran. C'est magnifique. Pour bien montrer mes talents. Il manquerait plus que Fireflav soit là en train de me narguer et en train de rigoler. Mais Fireflav est encore pire que moi. Et oui, c'est triste, Fireflav. Fireflav, bah vous savez, hein, depuis le début des vidéos, c'est un noob au niveau des jeux. Donc je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma. Et il y aura peut-être mon associé Fireflav dans le prochain Castlevania.